Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Histoire Pro. On se retrouve enfin aujourd'hui pour une première vidéo unboxing. Puisqu'aujourd'hui je vais donc déballer, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous aurez vu que j'ai commandé des écouteurs gaming. Donc pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils le savent. Mais pour les autres, voilà, j'ai donc commandé une paire de Rocativa. Donc on va les déballer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors donc, la boîte, voilà, j'ai pas encore ouvert là, c'est vraiment le tout premier unboxing que je fais. Donc je les ai commandés sur Amazon, je les ai commandés samedi, et là aujourd'hui je vous tourne la vidéo, on est mercredi. Donc c'est arrivé assez rapidement. Alors, attendez. Donc ouais, c'est arrivé assez rapidement, donc ça c'est plutôt cool. Amazon, généralement, c'est très rapide. Voilà. Donc, il y a autre chose avec, mais ça, c'est pas pour moi. Et alors, voilà les bébés. Ah, donc voilà. La boîte se présente comme cela. Rocativa, donc. Hop. Je vous montre quand même un petit peu, je sais pas si vous verrez bien. Non, vous verrez pas. Là, donc, je filme avec la Sony, hein, HDR AZ1. Voilà, je l'utilise un petit peu pour tout. Elle est très pratique pour ça. Ah, donc ça, c'est bon. Donc, le carton, nous n'avons plus besoin. Et donc, voilà comment se présentent les Rocativa. Voilà. Je vous montre un petit peu. Donc, la boîte se présente comme ça. Donc, toujours très, très épurée, hein. Donc, si je vous dis pas de bêtises, on a trois embouts à l'intérieur. Donc, trois embouts pour pouvoir que ça s'adapte au mieux à la forme de votre oreille. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, attendez, on va essayer de pas défoncer toute la boîte. Ok, il y avait un truc juste là. Voilà. Ah là là, ça fait un moment que je les attendais, ça fait un moment que je voulais les commander et je les ai, voilà, j'ai enfin craqué. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Là c'est la notice que personne ne lit jamais, allez hop. Donc voilà, c'est toujours très épuré Rocat, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas les produits Rocat, je vous invite à les voir. D'ailleurs, pendant que je vous parle de ça, je vous profite pour vous dire quelque chose. Pour vous conseiller une chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube Tech News et Test. Il a présenté une petite boîte, pareil, enfin des écouteurs, pareil. Il a comparé un Cooler Master, il me semble, et des Rocat Alumna. C'est donc la catégorie au-dessus des Siva. Je vous en parle parce que c'est une chaîne, je le connais pas personnellement, hein, mais c'est une chaîne que j'aime bien, que je trouve vraiment pas mal. Donc je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai sûrement le lien en description dans la vidéo, donc je vous conseille d'aller la voir. Il fait des présentations unboxing. Si vous êtes intéressé également par les voitures de RC, vous savez, les petites voitures télécommandées, vous pouvez aller voir. Il fait pas mal de choses, de découvertes comme ça qui sont vraiment intéressantes. Alors, donc, la boîte Rocat. Petit truc là, petit manuel. Hop là. Donc là, ça, c'est pas important. Hop. Alors là, c'est le mode d'emploi, parce que comme je vous ai dit, il y a donc trois tailles d'embouts différentes. DK, Finlande. Il n'y a pas français. C'est toujours pareil, jamais français, hein. C'est pas très grave. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh là là, ils sont très 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 beaux. Je vous les montre de plus près. Voilà, vous voyez, ils se présentent sous cette forme-là. Rocativa, donc. Très joli. Très très joli. La petite étiquette qui est là, on va la couper, puisque ça ne sert à rien de la conserver. Il y a deux, trois... Je vais me couper. Deux, trois commentaires que j'ai vus sur Amazon, puisque je lis très souvent les commentaires avant de commander un produit. D'ailleurs, en parlant de ça, attention de couper le câble.
Il se peut qu'il y ait d'autres vidéos comme ça, un petit peu high-tech que je fais, puisque c'est quelque chose que que j'aime bien. Donc, tu peux, ça change des vidéos en extérieur, certes. Je fais une connerie. Ça change un petit peu des vidéos en extérieur, mais ça pourra arriver de temps en temps, comme ça, que je fasse une petite vidéo unboxing, que ce soit d'un petit produit high-tech, pas très cher, surtout que ces roquettes-là sont à 30 euros. Ils sont à 30 euros. Donc, pour en venir à l'histoire, donc je lisais, je lis très souvent les commentaires avant de commander un produit. Et donc, ce commentaire disait qu'il fallait faire très attention parce qu'apparemment c'est très fragile. À pas mettre dans votre poche parce que lui, il les a ressortis, il les a trouvés cassés en deux. Et donc ça, c'est... Voilà, faut faire gaffe. Bon, moi ça va parce que je les mets jamais dans mes poches, mais il faut faire très attention à ça. Donc voilà, alors. Là, ici, dans ce sachet, on a donc les tailles, les autres embouts, parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs embouts. Là, je sais pas... Celui-là a l'air de correspondre à à mes oreilles. Donc, à voir. Mais donc, il y a des. Voilà, les petits embouts, moyens embouts et gros embouts. Donc, moi, j'ai des petites oreilles. Donc, à voir. Alors. Alors, ça, c'est des. Ah oui, c'est vraiment des tout petits embouts. Tout petit, tout petit, tout petit. Ah, mais non, mais même pas en fait. Là, il y a des. Ah oui, là il y a en fait les embouts qui doivent être sur sur les de base sur les roquettes là, ça doit être les embouts universels en fait. Et là c'est vraiment là où vous pouvez aller si vous voulez vraiment pousser plus loin la personnalisation de vos écouteurs, je vous conseille les Cooler Master, il me semble que c'est eux qui font ça, où vous chauffez en fait c'est une espèce de pâte dans les écouteurs. Pour que vous puissiez, enfin que ça s'adapte à la forme de vos oreilles. Donc là voilà, on voit très bien les trois tailles d'embouts différentes, donc les plus gros, moyens, petits. Ceux-là ont l'air de correspondre en fait à à mes oreilles, donc ils sont peut-être ouais, un petit peu trop grands. Et alors, donc du coup, je ne sais pas trop comment. J'imagine que ça s'enlève comme si c'était des embouts normaux. Comment ça s'enlève? Ok, tout simplement comme cela. Hop, donc ouais, ça doit être les embouts universels. Ils sont un peu plus gros que que les embouts moyens, mais ils sont plus petits que les gros embouts. Donc nous, on va essayer les embouts moyens. Alors du coup, ça se replace dessus. Allez. Voilà, comme cela. Pour les autres, on fait la même. Si vous entendez des gens derrière moi, c'est normal, hein, je ne suis pas tout seul. Je n'ai pas encore ma propre indépendance. N'est-ce pas? Je ne sais pas s'ils sont bien mis, en fait. C'est assez galère à mettre, je dois vous avouer. Allez. Oh là là, c'est galère. Alors. Ouais, les moyens ont l'air de plus me correspondre que les tout petits. On va essayer de déplier. Enfin, on va les déplier. Donc, hop. Hop là. Alors, les écouteurs sont censés être anti-emmêlement. Donc, anti-emmêlement, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça, vous voyez un petit peu la texture du truc. Voilà, c'est censé ne pas s'emmêler. Donc, je dis bien censé. Ça va, ils sont. Au niveau de la taille, ils sont corrects, ils sont pas trop longs, ils sont pas trop. Et donc, on a. Par contre, on n'a qu'un seul bouton. Alors, ce qui est bizarre, c'est. Ah, call, play, button. Ouais, c'est juste. Ouais. Ouais. Donc il fait bah voilà play pause. Et apparemment on peut répondre au téléphone également avec. Puisque ah, bah, ça a été équipé d'un microphone Rode, hein. C'est pour ça que je les ai pris, c'est parce que ça a une très bonne apparemment très bon son.
Ceux-là ont l'air de pas mal correspondre en fait. Alors, faut bien faire gaffe. Ceux-là ont l'air de bien correspondre à mes oreilles. Bon, vous ne le voyez pas, mais je suis actuellement en train de les mettre. Alors, attendez. J'ai de remettre. Désolé, ça fait du bruit parce que je touche le micro. J'essaie de faire le moins de bruit possible. Voilà. En tout cas, ça fait très bien comme ça le dit, hein. Ça vous isole. Vous avez vraiment l'impression d'être isolé et d'être coupé du monde. Moi, je vais essayer de mettre, je ne sais pas. Je vais mettre un bon gros son pour tester un petit peu. En tout cas, ils ont un design très sympa. Ça, il n'y a pas à dire. De toute façon, Rocat, ils ont toujours eu un design assez correct. Waouh. N'importe laquelle. Je vais vous dire ça. Pou. Ah, ça c'est. C'est un vrai bonheur. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est qu'avec mon téléphone, je peux régler. Je peux aller dans mes égaliseurs et régler. Donc, par exemple, si je mets augmentation des basses. Aïe. Oh la vache. Ah, ils défoncent. Ah, ils sont clairement. Ils sont top. Non, vraiment, ils sont top. Je pense vraiment que c'est un bon achat, qu'il faut pas hésiter à le faire, puisque des Rocats pour cette qualité à ce prix-là, c'est carrément cadeau. Je vois pas pourquoi il faudrait se priver. Ils sont vraiment top. Donc, écoutez, là, moi, j'ai mis les embouts de taille moyenne. Ils correspondent vraiment bien à mon oreille, je trouve. Je vous les remonte une dernière fois, ces Rocats. Voilà. Rocats. Si vous m'entendez, c'est vraiment un très bon produit. N'hésitez pas donc à les commander sur Amazon, hein, ils sont 30 euros comme je vous l'ai dit. Ça reste correct, vraiment pour des rocades de cette qualité-là, ça reste correct. Bon, va quand même falloir faire attention à ne pas les mettre dans leurs poches, donc dans vos poches. Faire attention à ne pas perdre les embouts. Mais bon, après voilà. Sinon, il y a vraiment un très bon son, bah, je peux pas vous les faire tester, bien évidemment. Le mieux, c'est de les acheter vous-même. Et puis écoutez, bah, je pense que c'est fini hein, pour cette, pour ces Rocat Siva, pour la fin de cette vidéo unboxing. Donc, je vous le redis, il est possible qu'il y en ait d'autres sur la chaîne, pourquoi pas de temps en temps. Oh, je me suis étouffé. Voilà, donc c'était Mathieu pour la chaîne XR Pro. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde!